Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit renforcement musculaire ciblé sur les triceps. Donc pour cela on va avoir besoin d'un tapis, un élastique, des haltères. Donc si vous n'avez pas d'haltères, petite bouteille d'eau ou un collant hein, pour faire vos exercices à l'élastique. D'abord on va s'échauffer, on va fléchir un petit peu sur ses appuis, on étale l'écart et on serre les abdos. On inspire, on tire vers le haut, on relâche. Encore une fois, on inspire. On se grandit, on relâche, on va se caler, dos plat, main à la poitrine, on inspire. Dos rond, basculez le bassin, serrez abdos fessiers, regardez votre nombril. Encore dos plat, on inspire, dos rond, vous soufflez bien. On va refaire une fois, on inspire, dos rond, soufflez. Grandissez-vous à nouveau, restez, liez les mains, et triceps en un, tu plies et tu allonges. On inspire. On souffle. Donc là, c'est un mouvement qu'on va faire avec les haltères, avec l'élastique. Donc déjà, on est fléchi, on est gainé, on a le dos droit. Ensuite, au niveau des bras, on garde bien les coudes près du visage et vous allongez bien vers le plafond sans rentrer la tête. Inspire. Donc sans se crisper, on allonge son cou. 4, 3, encore deux fois. On relâche, on se cale dos plat, mais penché. On inspire et dos rond soufflé, basculer le bassin. Encore une fois, dos plat inspiré, dos rond soufflé. Encore une fois, dos plat, on inspire et on va dérouler tranquillement son dos. Quelques étirements pour finir, on ouvre les bras, on inspire. Placez votre bras en écharpe, respirez. De nouveau, inspirez, bras en écharpe, appuyez légèrement pour rapprocher, tirez votre épaule. Et une dernière fois, on inspire, dos rond, encore on souffle, on se grandit encore. Inspirez et relâchez. Bien. On commence avec les haltères. Donc vous vous mettez à l'écart, assez grand, fléchissez bien, pointe de pied vers l'extérieur, on serre. On colle les poids. Alors, si jamais c'est trop lourd, vous ne prenez qu'un seul poids. Bras au-dessus de la tête et sur deux temps. On plie derrière la tête et on allonge vers le plafond. On inspire. Soufflez. Donc attention au dos. Hein, bien droit. On garde droit devant soi. Plie. Inspire. Et souffle, allonge. Plie. Allonge. Encore. Doucement. Souffle. Encore une fois. Plie. On accélère, plie, allonge, inspire, expire. Hop. Allez, courage. Donc, ça va chauffer relativement vite hein, sur les triceps. Ne craquez pas, ne claquez pas les bras. Allez, trois petits derrière la tête. 3, 2, allonge. 3, 2. Pensez à bien serrer les abdos tout au long de l'exercice. Et hop, soufflez. 3, 2, on va repartir sur un temps. Et plie, allonge, inspire. Allez, ça va chauffer vite. En plus, c'est vraiment localisé triceps. Donc, ça va brûler vraiment intensément. Craque pas, respire bien. C'est que ça travaille. 3 petits. Et 3, 2. Souffle. 3, 2. Allez, 3, 2. Encore une fois, on va refaire une série. Allez, sur un temps, on en fait 8. 8, allonge, inspire, expire. Hop, souffle. Les 4 derniers. 4, 3, encore deux fois, inspire. Et on relâche. Très bien. Vous allez pouvoir vous caler dos plat. Donc, surveillez bien votre colonne vertébrale. Poussez bien le bassin. Serrez les abdos. Ici, vous calez vos coudes près du corps. Ça, c'est la position de départ. Et sur deux temps, vous allez allonger les bras et revenir sur l'inspire. Vous soufflez, vous faites partir vraiment les avant-bras et vous ramenez seulement les avant-bras. C'est un mouvement où il y a vraiment juste les avant-bras qui bougent et les coudes restent toujours engagés. Surtout, quand vous allongez et vous revenez, ne ramenez pas les coudes. Soufflez bien, pliez bien, serrez vos abdos. On accélère. Tend et toujours les triceps, mais là vous avez du dos.
Donc, va falloir serrer les abdos. Ça va chauffer au niveau des lombaires. Donc, ne vous redressez pas hein, si vous êtes tenté. C'est que ça, c'est vraiment que ça travaille. Pas de bassin en avant. Ça, on oublie. Pousse bien les fesses. Bien fléchi. Et souffle. Souffle. Encore. Serre bien le nombril. Deux temps, va ralentir. Tends. Tends. Ramène. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Encore une fois. Serre bien le nombril. On accélère. 8. 7. Souffle. Allez, encore 4. On en fait encore 2. Il reste une série. 2 temps, tranquille. Tends. Tends. Ramène. Ramène. Souffle. Inspire. Encore. Allonge. Allonge. Ramène. Encore une fois. Allonge. Allonge. Et ramène. Mettez les mains sur les cuisses. Dos plat. Inspirez. Dos rond, soufflez. Basculez le bassin. Serrez abdos fessiers, tirez le dos. De nouveau, dos plat. On inspire. Et on déroule doucement. De nouveau à l'écart fléchi. De nouveau, haltère là-haut. Et un temps, tu plies. Allonge. Inspire. Allez, une bonne assise. Hein. Serrez bien les abdos. Encore. Plie. Inspire. Allez, hop. Allez, on en fait encore 4. 4. 3. Encore deux fois. Claque pas les bras. Allez, on plie en un, mais on tend en trois temps. Ici, tu plies et 1, 2, 3. Plie et souffle, souffle, souffle. Plie et souffle. Serre tes abdos. Encore. Inspire. Allez, encore. Plie. Allonge progressivement. Allez. On allonge son cou également. Essaye de ne pas rentrer la tête. Encore une fois. Allez, souffle, souffle. Un temps. Dernière série. 8. 7. Inspire. Encore 4. 4. 3. Donc il y a moins de séries. Hein. On va en faire beaucoup moins. 3 petits derrière la tête, c'est la dernière. 3. 2. 3, 2, souffle. Allez, allongez le cou pour ne pas avoir mal au cou, justement. Encore une fois. 3, 2, on relâche. De nouveau, dos plat, bien fléchi. On serre et on présente les coudes. Et sur un temps, on reprend extension triceps. Allez, souffle. Donc, pensez à serrer un petit peu les omoplates aussi pour avoir vraiment le dos bien calé. Engagez les épaules vers l'arrière. Allez, souffle. Encore. Allez, tout dans les triceps aussi. Hein. Deux temps, on va ralentir. Tends. Tends. Ramène. Ramène. Souffle. Inspire. Allez, bien fléchi. Pousse bien les fesses. Hein. Encore une fois. Allonge. Allonge. On accélère. Souffle. Encore. Soufflez bien sur l'effort. 4. Là, tu souffles. Encore 2. Allez, 2 temps. Tranquillement. Tends. Tends. Et ne ramenez pas les coudes. Restez les coudes très engagés. Souffle. Inspirez. Souffle. Inspire. Encore une fois, il reste une série. On accélère. 8. 7. Inspire. Encore 4. 4. Allez, plus que deux fois. Souffle. Main sur le devant de cuisse de nouveau. Dos plat, inspirez bien. Dos rond, soufflez bien. Encore une fois, dos plat, inspirez. Déroulez. Et on va peaufiner avec l'élastique. Posez vos haltères et prenez votre élastique. Alors, si vous n'avez pas d'élastique, un collant fera l'affaire. Si vous avez un élastique, vous prenez soit un 8, parce que souvent c'est un 8. Si c'est trop facile, il faudra prendre un 7. Hein. Il y a des petits numéros à chaque fois. Donc là, on va prendre un 7, par exemple. Allez, de nouveau à l'écart. Bien fléchi, bien gainé, on peaufine. Vous allez placer la main gauche dans le bas du dos.
et la main droite au-dessus de la tête. L'objectif, c'est d'aligner l'élastique avec la colonne vertébrale. Ok, vous gardez bien le bras engagé et sur deux temps, vous tendez le bras et vous ramenez et vous soufflez. Il faut bien tendre sans claquer le bras. Hein. Allez, inspire. Donc, baissez vos épaules. Ne vous crispez pas. Souffle. Inspire encore une fois. On accélère. Encore. Donc, il y aura certainement un bras qui sera peut-être plus fort que l'autre. Mais vraiment, allez jusqu'au bout de l'extension. Hein, ça travaille là. Allez, trois petits. Un, deux, trois, reviens. Donc, vous, attention, vous allongez bien le bras et le poignet aussi. Encore une fois. Souffle, souffle. On repart en un. Allez, hop. Inspire. Encore 4. 4. Allez, il faut que ça brûle. Hein. Allez, deux temps tranquillement. Tends. Tends. Reviens. Reviens. Avec vraiment une bonne assise. Encore. Allez, tu souffles. Tu inspires. Et là, vous restez bras tendus. Gardez la contraction. Et relâchez. Ok, on change de côté. Longez bien la colonne. Il ne faut pas que ça fasse de mini-mélo avec le bras. Allez, un, deux. Tends. Tends. Ramène. Donc, vraiment, il faut que l'élastique longe la colonne et que ça passe bien derrière la tête. Il ne faut pas que ça aille sur le côté. Bon, j'exagère. Hein. Mais il faut vraiment aller au-dessus de la tête et souffler sur l'effort. Ok, on va accélérer un petit peu. Hop. Et souffle. Souffle, donc toujours bien bien ancré dans le sol, il ne faut pas que ça rebondisse. Hein. Encore. Allez, trois petits on tente. Un, deux, trois, reviens. Tends, 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 reviens. Souffle, souffle, souffle. Grandissez-vous. Allez, un temps est reparti. Huit, sept, souffle. 4 encore, 4. On en fait encore 2. Souffle. Allez, il faut que ça chauffe. 3 petits, restera une série. 3, 2. Reviens. Souffle, souffle, souffle. Inspire. Allez, encore une fois. Ha. 2 temps, dernière série. Temps. Reviens. Souffle. Inspire. Allez, le prochain, vous gardez le bras tendu, vous êtes costaud vers le plafond. Et on relâche. Très bien, posez votre élastique, ouvrez grand vos bras, inspirez, placez le bras droit en écharpe, appuyez légèrement, étirez l'épaule, et soulagez un peu le triceps. Et puis surtout, pour le triceps, on place le coude derrière la tête et on ramène, on souffle bien. Si on n'arrive pas à saisir le coude, on passe devant le visage. Et on relâche pour ouvrir de nouveau. Et changer en écharpe. Respirez bien. On passe derrière la tête. On étire le triceps. On relâche. Main dans le dos. Inspirez. Ouvrez le buste. Dos rond. Soufflez. Grandissez, inspirez. Relâchez. Et encore une fois, on inspire. On ouvre la cage thoracique, dos rond, on souffle, on se grandit et on relâche. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine.